José Bové, l'eurodéputé vert français, n'y va pas de main morte. L'environnement, dit-il, n'est pas une préoccupation de la présidence polonaise. Et de s'inquiéter de sa soif d'indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. La Pologne, aujourd'hui, fait complètement fausse route. C'est-à-dire qu'elle est vraiment... elle regarde dans le rétroviseur. Le Parlement européen a dit qu'il fallait au moins aller à 30% de réduction de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, la Pologne reste bloquée à 20%. J'ai rencontré le Premier ministre polonais. J'ai bien compris que l'environnement, la question climatique n'était absolument pas à son agenda. Et ça, c'est quand même un petit peu inquiétant parce qu'on est à quelques mois du prochain sommet du climat à Durban et c'est la Pologne qui va représenter l'Europe. Donc là, il y a un véritable décalage. La Pologne, aujourd'hui, s'est vendue aux multinationales gazières et pétrolières pour aller, soi-disant, chercher du gaz et de l'huile de schiste, je pense qu'il y a effectivement un véritable problème. Mais je veux dire que c'est un problème global aujourd'hui de l'Europe d'assumer son développement et en même temps d'assumer les contraintes aujourd'hui qui sont liées au climat. Et je crois que ça, c'est une question fondamentale. C'est que les pays industrialisés du Nord sont responsables jusqu'à aujourd'hui des effets sur le climat. Donc c'est à nous de montrer la voie. Et si l'Europe n'est pas capable de parler d'une seule voix, comment voudra-t-on que demain la Chine, l'Inde ou d'autres pays, acceptent d'assumer notre destin commun ?